Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau format, donc pour les énergies du jour, pour ce vendredi 13 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour voir quelle sera l'ambiance du jour pour vous. Alors, cancer pour ce vendredi 13 septembre. Hop. Vous avez la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Ici on vous parle de d'interaction et de contact avec les autres. Alors il y a de la sympathie dans l'air, peut-être des échanges sympas, hein. Ok, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokiff pour vous les cancers. Donc pour cette journée du vendredi 13 septembre. Vous avez le ciel. Le ciel ici parle de bénédiction, parle de synchronicité, de heureux hasard. Voilà, donc faites confiance, hein. Faites confiance à la vie, j'ai envie de vous dire, les cancers, par rapport à ce que vous allez, les personnes que vous allez croiser. Voilà, il y a de la sympathie, il y a peut-être de l'aide aussi, hein, si vous avez besoin d'aide. Ben voilà, il y a peut-être effectivement ici recevoir de l'aide vis-à-vis d'une situation particulière. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec le tarot. Light Sears Tarot pour vous les cancers, donc pour ce vendredi 13. Oh, possibilité d'union, possibilité effectivement de coup de main, d'entraide, d'être sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi une possibilité de rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être en osmose. Vous avez quand même un très bel as de bâton juste derrière, hein. Donc c'est la passion, c'est les désirs, c'est les envies. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire en tout cas au fond de vous. Peut-être que ça se situe sur le plan relationnel aussi, rencontrer un nouvel ami, enfin quelqu'un en tout cas sur qui vous allez pouvoir peut-être compter. En tout cas, on sent bien qu'il y a une réelle interaction, une réelle osmose, et c'est ce qui vous redonne le sourire, en tout cas pour cette journée. On va regarder ici, sur le plan relationnel et sentimental pour vous, avec le tarot, la roue de l'année pour les cancers, donc pour ce vendredi 13 pour les cancers. On vous invite à prendre les devants, hein. En tout cas, si sur le domaine relationnel, vous avez quelqu'un, hein, avec qui vous souhaitez vous rapprocher, on vous invite à faire preuve de sympathie, d'ouverture, de gentillesse, bien évidemment, mais surtout à prendre les devants. Le roi de bâton ici symbolise effectivement la capacité à faire ce qu'il faut, en tout cas pour... être dans l'action concrète, en tout cas pour, eh ben, s'il s'agit de se rapprocher de quelqu'un, pour proposer quelque chose. Donc les cancers, n'hésitez pas, on voit bien qu'il y a vraiment cette bénédiction. Donc je pense que, voilà, ce sera une très belle journée, en tout cas pour vous. Sur le plan des énergies, il y a possibilité d'union, d'accord, hein, de trouver un accord aussi, pourquoi pas. Voilà, donc surtout, prenez les devants. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.